Ben oui, encore une petite hors-série. Celle-ci, c'est parce que j'y tenais vraiment. Et voilà, c'était un exemple, mais parfait, pour expliquer ça. Donc voilà, effectivement, les 2 secondes de distance qu'on est censé respecter. Donc la distance minimum pour être en sécurité. Aussi bien pour que la personne en face devant vous soit en sécurité et vous aussi. Donc voilà. Ben, je vous laisse découvrir. Putain! Mais les distances, monsieur! Je freine pour l'orange. Si vous gardiez vos distances, vous auriez pu freiner tranquillement. C'est pour ça qu'il faut les respecter. Ben oui. Ah là là, je te jure. Voilà, un typique, hein. Bah oui, il me suivait de trop près, du coup, il a été surpris. Et je freine pour l'orange, donc c'est logique. Heureusement que je l'ai entendu freiner, et que donc du coup j'ai eu le réflexe de pousser un petit coup, parce que vous voyez la ligne, bah, il me percutait dedans si je n'avais pas eu le réflexe de continuer un peu plus loin. Donc ça ne va pas, encore une fois, ça ne va pas respecter les distances de sécurité. L'exemple est là pour... Allez, bonne route tout le monde, et faites attention à vous!